C'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin, cette vidéo risque d'être incroyablement incroyable, il fait beau, il fait chaud, et je ne suis pas tout seul aujourd'hui les amis, je suis avec mon meilleur ami, Yami. Comment ça va mon pote? Suka, comment tu vas? Mais je vais super bien, alors t'as fait une longue route, c'est vrai? Ouais grave, je suis grave fatigué, et écoute j'ai super faim, je compte sur toi. Oh, t'as super faim, mais bon, tu sais, moi, ici, c'est pas Masterchef, hein, je sais pas cuisiner, ni moi... Ah ouais, quand même, mais pourtant, t'as une grande villa, Suka. Bah oui, j'ai une grande villa, mais bon, je vais à Lidl, je prends que des pizzas surgelées, moi. Bon, c'est pas grave, j'ai des saucisses, on pourra partager. T'as des saucisses? Mais tu les sors d'où, ces saucisses? Allez, viens. Ok, bah vas-y, mets-les dans le barbecue ici, là, c'est celui-là qui marche. C'est celui-là qui marche. derrière toi ici, hop là, allô, ok, c'est juste ici. Ah bah bravo. Ok, bon les amis, je pense qu'on n'aura pas de barbecue aujourd'hui, il a cassé mon barbecue. Par contre, tu me le rembourseras celui-là, hein. T'inquiète, bon, on mangera plus tard. Voilà, on mangera plus tard à cause de toi. Bon les amis, un maximum de likes sous cette vidéo, je veux un objectif de 10 000 likes, voilà, 10 000 likes sous cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller dans le laboratoire de Rick, parce que bon, il m'avait dit qu'il avait fait une nouvelle expérience, du coup Yami, ce sera mon cobaye. On va aller avec lui les amis, mettez plein de likes, l'objectif de 10 000 likes. Bah vas-y, c'est parti Yami, on y va? Ouais. Allez, c'est parti, je vais te montrer où se trouve le laboratoire de mon ami Rick. Et ensuite, on arrive dans le laboratoire. Wow. C'est beau gosse, hein? Ouais. Ok, c'est beau gosse. Alors, les amis, voilà le... Par contre, il y a personne. Il y a l'air d'avoir personne. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, les amis, le laboratoire est vide. Oh! Attends, mais il y a l'air d'avoir un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ok, il y a un livre. Bon, attends, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, les amis. Bonjour, je suis absent, je suis aux Bahamas, en vacances, sous les cocotiers. Voici ma dernière invention. Devenir riche ou devenir pauvre. T'en penses quoi, toi? Je pense sincèrement que ça sent le piège, tout ça. Ça sent le piège, on est d'accord, les amis. En plus que Yami ne connaît pas très bien Rick. Bon, il sent le piège d'ici. Bon, bah, moi, je te suggère qu'on appuie sur le bouton rouge, hein, le pauvre. Bah, je te laisse appuyer, hein. 2. 1. Oula. Mais... on atterrit où, là? On est où, là? Oula, par contre, c'est... Il y a deux personnes devant. Ça pue, ah ouais, toi, il y a l'air d'avoir deux personnes devant. Non, mais moi, je te le dis clairement, je ne sais pas comment tu as fait pour détacher la corde de tous tes chiens. Pas ma faute à moi, hein. Mais moi, je te l'avais dit. What? C'est pas ma faute. Moi, je te le dis, c'est là-bas qu'ils étaient. Ah bon, je savais pas. What? C'est quoi? C'est qui? Mais je sais pas, attends, ça a l'air d'être des SDF. Après, je t'avais dit de récupérer du bois dans la décharge, mais là, il n'y a même pas de bois. Bon, bah d'accord, mais moi, j'ai pas le flair des chiens pour ça. Ouais, bah comment tu vas faire? Il fait hyper froid dehors le soir. Ah bah, si tu me saoules, tu racontes n'importe quoi. Ok, c'est ça, ouais. Bon, attends, vas-y, Yami, t'es chaud, on va aller voir. Ouais, vas-y. Vas-y, go. Bonjour. Ah, mais... Écoutez, monsieur, vous êtes sur une propriété privée. Oui, mais en fait... Oui, mais en fait, on a atterri ici, je ne sais pas comment, et voilà, on s'est dit, est-ce que vous aurez besoin de notre aide par hasard? Non, on n'a pas besoin d'aide de personne, nous. On vit très bien comme ça, nous. Oui, on vient très bien comme ça, nous. On a une belle maison, comme vous pouvez le voir. On n'a pas besoin de vous. Mais attendez, c'est ça votre maison, là? Bien sûr. Écoutez, monsieur, on n'a pas les mêmes moyens que tout le monde. Ah oui, ok, d'accord. Ok, bon. Arrêtez de juger, monsieur, hein. Ah, ok, bon, les amis, a priori, ils ont pas les moyens de se procurer une belle maison. Bon, vous savez quoi? Moi et mon ami Yami, on est là et on aimerait savoir, parce qu'on vous a entendu parler, on vous a entendu dire que vous avez perdu des chiens ou je ne sais pas trop quoi. Mais oui, il y a ma femme. On a perdu le flair, c'est mon mari, il a perdu les chiens. Il y a ma femme qui a dû nourrir les chiens. Et du coup, elle s'est endormie et du coup, les chiens se sont enfuis parce qu'elle ça pas accroché. Ok, c'est mon mari, il les a perdus, c'est pas moi. Bon, bah écoutez, regardez, avec moi, j'ai un ancien propriétaire d'un chien. Voilà, il avait plein de chiens chez lui et il s'y collait super bien en termes de chiens, donc... D'accord, retrouve-les et plus vite donc que ça. Donc ça marche comme un chien. Ok, renifle par terre, vas-y. Vas-y, petit chien. Allez. Non, certainement pas. Allez, assis. Les chiens se cachent souvent dans la forêt. Quand tu vas pas les chercher si tu sais où ils sont. Bah, mais vous pouvez nous donner... Excusez-moi. Je pourrais vous accompagner.
Bien sûr, la forêt se passe par là, suivez-moi. Ah, okay. Là, c'est là-bas. C'est parti, est-ce que vous aurez des os à nous passer? Des os, ah oui, j'en ai deux. Ouais, bah vas-y, nickel, comme ça au moins on pourra s'en charger des chiens. C'est ma femme qui en a, c'est les vieux os de poulet qu'on a trouvé dans les poubelles des restaurants. Le poulet. Oula, ok, d'accord, bon vas-y, tu m'en donnes pas mal. Comme ça on peut... Des os. Parfait, merci beaucoup. Nickel. Ok, là on est plutôt bien. C'est pas fini. Ok, voilà, vas-y, mon ami va ramasser les restes. Hop, bon, voilà, du coup, va ramasser. Bon, ok, du coup, vous nous attendez ici, on va aller chercher vos chiens, ok? Et ça marche. Allez, okay. C'est parti, normalement, là, on est dans un parc, et je pense pas que les chiens, ils ont su gravir le grillage, hein. Oh non, je pense pas. Eh, mais d'ailleurs, je pense qu'ils étaient un peu bizarres, non? Ouais, ah, pour le coup, là, je pense qu'ils étaient un petit peu bizarres. Alors là, les amis et les abonnés, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé des deux SDF qu'on a vu là. Bon, ils avaient pas toute leur tête, on dirait. Et je crois bien qu'on a trouvé notre premier chien. Ouais. Ok, enfin, vas-y. Ah, c'est difficile, là. Vas-y, je te laisse le prendre. Apprivoise-le. Oh. Ok ouais. Parfait. Tiens, vas-y, je te donne une laisse. Prends-le avec toi. Voilà, comme ça, tu le prends et on le promène et on le ramènera après. Je suis. Ok, vas-y, viens. Nickel. Du coup, les potes, on a déjà trouvé un chien sur 4. Il nous en manque 3. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous en voyez, parce que bon, moi, je ne vois pas très bien. Alors, oh, il y en a un deuxième là-bas. Il y en a un deuxième. Viens de l'autre côté du lac. Allez. Cours. Allez, cours. Oh, mais il y en a plein. Il y en a plein, vas-y, chope-les. Allez, toi tu viens avec nous, hop là, ok, allez, mange, ok, parfait, nickel, allez, toi mon petit chien, tu viens avec nous, voilà, alors toi, allez, on les chope tous, ok, parfait, toi je vais te donner des petits os, ah non, toi c'est bon, et toi, ok, parfait, bon, je pense qu'on a tous les chiens là, hein. Non, tous. Il en manque un seul, ah, il y en avait 4, ouais, il y en avait 4 à trouver, là on en a 3, Du coup, les potes, il en manque seulement un. Bon, faut trouver le dernier. Je ne sais pas où on peut le trouver, celui-là. Oh, il est... Oh, j'ai trouvé, il est sur l'arbre. Attends, j'arrive. Il est tout là-bas, regarde. Tu le vois? Là-bas, sur l'arbre, là. Ouais, ah, mais il est bien loin, là. Comment il a fait pour se retrouver là-bas, lui aussi, là? Non, putain, mais comment il va faire? Bon, je pense qu'on va y aller en mode... qu'on est là. En mode comme ça. Hop là, voilà, nickel. Bon, allez, toi... Tu bouffes et tu viens avec nous. Voilà, je pense que ça nous en fait 4, mon pote. Coula. Il est où l'autre? Attends, je vais le chercher. Du coup, là, je pense qu'on va les leur ramener à leur propriétaire. Let's go. C'est bon, monsieur. Ah, merci beaucoup. J'avais peur qu'on ait pas de repas pour ce soir. Oh, yeah, tu vas pouvoir aller. C'est bien, mon chéri. Non. C'est bien, mon chéri. Il manque eux, mon chéri. Mon chéri, vas-y. Oh, vas-y, mon chéri. Voilà. Voilà, maintenant, on a du repas pour ce soir. Merci beaucoup, manger. Monsieur. Merci, monsieur. Mouah. Choqué. Mais c'est quoi ces gens? Ok, bon, les amis. Nous sommes à Paul et vous voulez de la viande, du coup? Ok, non, ça va, ça va. Non, allez, non, merci. Non, ça va aller. Bon, du coup, est-ce que vous avez d'autres choses à nous confier? Ah, oui, je me suis acheté les dernières baskets, c'est-à-dire des baskets de 1876, quoi. Je les ai perdues. Et donc, les a perdues dans la décharge, mon pauvre chou. Bah, ouais, faut chercher un peu partout. Ok, bon, il y a des bottes à chercher dans la décharge. Yami, t'as entendu ça? Ouais, j'ai entendu ça. Bon, allez, tu dirais quoi, on y va? Bah, go chercher, hein. De toute façon, la décharge, elle est pas si grande que ça. Du coup, on doit essayer de chercher partout, les amis. On doit essayer. Dépêchez-vous, on a pas que ça à faire. Pas trop à l'aise ici. Comment ça, elle est pas si grande que ça? Bah, ça va, en vrai, elle est pas si grande que ça, votre décharge. Mais comment ça, vous vous moquez de chez nous, quoi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est une blague. Ah, monsieur, revenez ici, là, vous allez trop loin. Bah, attends, vas-y. Mais... Vas-y, chérie. Je regarde dans les machines à laver. Vas-y, chérie, je le tiens. Vas-y, chérie. Tire. N'importe quoi, laissez-le tranquille. Bon, attends. Laissez-moi. Oh, c'est bon, je les ai trouvés, vos bottes. Tenez. On n'a jamais perdu nos bottes. Si, vous avez perdu vos bottes. Voilà, monsieur. Ah, bah là, merci. Bon, maintenant, sortez d'ici. Ok, bon, allez. Vas-y, viens, on sort. Allez, plus vite, il monte. Vas-y, tire. Bon, les amis, on a réussi le niveau des pauvres. Du coup, c'est parti. On se retrouve chez Rick. A tout de suite. Wouhou! Ok, les potes. Bon, alors, t'en as pensé quoi des pauvres, toi? Bah, franchement, ils étaient vraiment, vraiment bizarres. Pour le coup, des gens bizarres, j'en ai connu, mais là, c'est vrai qu'ils étaient assez chelous. Et en plus, on a bien bavé. Ouais, pour le coup, en plus, les potes, ils étaient pas très évidents. On a trouvé leur chien, et bon, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé à la fin. Bon, allez, c'est parti, on va actionner le deuxième levier. Cette fois-ci, c'est le levier des riches. Attention, 3, 2,
Oula, wow. Ok. Oula, on est où là? Attends, changement d'ambiance totale. Il y a des gens. Il y a des gens? Où ça? Ouais. Oh. Ah ouais. Ok les amis. Cette fois-ci, ça a l'air d'être des personnes aisées. Ils ont l'air d'être super blindés. Eux par contre. Chérie. Hey, chérie, j'ai ma réunion dans 30 minutes à New York. Ok, j'appelle la secrétaire. Ils sont venus à New York. Ah, il faut appeler la limousine. La limousine, je suis complètement d'accord. Ben oui, il faut prendre le jet privé. On va prendre le jet privé parce que sinon, nous n'allons jamais arriver à temps. Je suis T'imagines si on perdait les 1 milliard d'euros alors qu'il y a 5 milliards à gagner? Même les 100 milliards d'euros. Mais oui, mais je serais en train de pleurer en perdant juste 1 million. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Vous êtes le nouvel entrepreneur de la piscine, c'est ça? Non, pas du tout. Comment vous expliquer? Vous êtes le nouveau jardinier. On est arrivé du ciel. Vous êtes voleur, c'est ça, vous voulez nous voler? Non, on est tombé du ciel. Non, vous êtes tombé du ciel. On est tombé du ciel. C'est des anges. Oh. Wow. Non, pas du tout. Bon, en fait, le truc, c'est qu'on est venu pour vous aider, en fait, à faire quoi que ce soit. Donc, bon. Le jardin. Bon, allez, c'est parlé maintenant, vous allez nettoyer la piscine, dépêchez-vous. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez là? J'ai dit plus vite que ça. Ouah, ça va. Ok, ça va. La piscine est bouchée, comme vous voyez. Elle est tombée. Alors dépêchez-vous. Oh, okay. Allez, exa sol. Mais on doit faire quoi? Bah, vous devez déboucher la piscine. Ah, on vous donne des armes s'il y a quelque chose qui ne va mal, parce que je sens qu'il va y avoir quelque chose de très mal là-bas. Ça marche. Ok, merci. Des petites armes. Rien de bien grave. Nickel, bon. Mais si vous faites pas le travail, c'est ça. Aïe, ok, ça va. On a compris. Ok, nickel. Vas-y, c'est parti. Let's go. Ok, bon, les amis, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce tunnel. Allez, c'est parti. Hop là, allez, c'est dur d'y accéder. Hein, Mais what? Mais tire dessus! Mais je vais mourir! Non, faut... Vas-y, passe devant! Tout va bien, tu te fends? Oui, ça va! What? On est où là? Oh! Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, what? C'est quoi ça? Oh! C'est quoi ces monstres là? Bon, vas-y, passe devant! J'ai peur! Ouais, bon, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, les amis! Ah, c'est ça qui ont mis ces espèces de blocs chelous là? Ok. Ouais. Ah! Wow, alors comment? Ah, c'est bon, t'as réussi à te débarrasser d'eux? Ouais, j'ai réussi. Ok, parfait. Wouhou! Ok, bon, les amis, c'est bon, on a réussi à s'en débarrasser. Par contre, va falloir déboucher la piscine. Je crois qu'il va falloir casser ces blocs là. Du coup, on va les casser. Let's go. On va voir un petit peu si ça marche. Oh oui, l'eau est cool. L'eau est cool, oui. Vas-y, casse tous les blocs. Ok, les amis, on va faire recouler la piscine. C'est parti. Allez, les derniers blocs. Attention. Presque. Ok. Oui, bien joué. Maintenant, vite, il va falloir sortir d'ici. Oh, ça a marché. Voilà, monsieur, ça a marché. J'ai l'impression que vous avez réussi. Ouais, ça a fonctionné. Normalement, on aurait donné 1 milliard pour ce que vous avez fait. Mais donc, puisque vous avez fait ça vite, on va vous donner... On va vous donner 1 euro. Non, 50 centimes. Merci à vous. 50 centimes, excusez-moi. Allez, merci à vous. On va quand même pas tout leur donner, mon chéri. Et si vous arrivez à enlever cette décharge qui pue là-bas, c'est... C'est la mort qui tue. Oh là là, n'importe quoi. Bon, en tout cas, nous, en vrai de vrai, on cherchait pas d'argent au départ, donc bon. Ok, vous nous faites de l'ombre. Merci de quitter notre propriété. J'ai un rendez-vous pour New York. Excusez-moi. Soit vous quittez, soit vous venez. Vous devez venir. On appelle la police. Ok, ça va. Appelle la police, Jerry. J'appelle. Allez, c'est parti, nous on rentre. En tout cas les amis, voilà, j'espère que cette vidéo avec Yami vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de likes. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce style là. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka. Ciao les potes.